organisatrice de ce forum, Madame Nicole Soulou, ainsi que ses équipes, pour le cadre conceptuel offert et le choix du thème de cette édition. Je félicite également tous les participants qui, du fait de leurs expériences et des échanges de haute facture qu'ils ont pu générer, nous ont non seulement édifiés, mais aussi enrichis dans la recherche de solutions idoines, comprenant notamment la participation active du secteur privé aux côtés de l'État pour le développement de nos territoires. Par ailleurs, je ne puis manquer aussi de saluer le choix de tenir la dernière partie de ce forum à Mbujimayi, chef-lieu de la province du Kasaï oriental, qui se veut l'un des symboles de cette vision politique tournée vers l'essor des territoires et autres zones encore enclavées aujourd'hui et sans lesquelles toute initiative de développement serait vouée à l'échec. Mesdames et messieurs, distingués invités, après 8 éditions riches en enseignements sur les manières adéquates de consolider le secteur privé, Makutano doit désormais s'inscrire dans la pérennité. La pertinence des sujets évoqués, la qualité des intervenants ainsi que la justesse de mon attention est conforme à ma conviction que notre développement économique est et reste incontournablement tributaire de la responsabilité partagée entre l'État et le secteur privé. En effet, si prise individuellement ne peut pas, en ce qui concerne la création des richesses, démonstration est faite lors de vos travaux que l'accompagnement de l'État, nourri par les réflexions, suggestions et autres retours d'expériences partagées du secteur privé, s'impose. Il s'impose en effet comme une adéquation nécessaire entre d'une part les initiatives publiques et d'autre part les actions du secteur privé. Mesdames et messieurs, distingués invités, durant vos travaux, j'ai noté avec beaucoup de satisfaction que vous avez fort pertinemment questionné les initiatives en cours et formulé des propositions pour que la trajectoire des réformes soit améliorée. Je vous encourage donc à poursuivre inlassablement ce dialogue stratégique avec l'ensemble des acteurs étatiques en vous appropriant les dynamiques positives générées par la 8e édition du Forum Makutano. Mesdames et messieurs, distingués invités, les échanges sur le PDL 145 territoire ont été une opportunité pour cerner tous les contours y relatifs. À travers ce programme, je porte la vision de corriger les inégalités craintes existantes aujourd'hui entre nos villes et l'arrière-pays sur toute l'étendue du territoire national. Comme vous le savez, les secteurs prioritaires identifiés dans ce programme ciblent le capital humain, lequel se trouve au centre de mon engagement politique. L'accès aux services sociaux de base, notamment la santé et l'éducation, l'avènement d'une administration publique de proximité, ainsi que le renforcement de l'autorité de l'État constituent notamment des actions leviers indispensables à l'amélioration des conditions de vie de nos populations et à la consolidation de l'État de droit. Mesdames et messieurs, distingués invités, la 8e édition du Forum Makutano aura eu, entre autres mérites, de mettre en lumière le secteur privé congolais, de faire un diagnostic exhaustif sur les faiblesses du dit secteur et enfin de dégager des nouveaux paradigmes en vue de sa résilience. Comme je l'ai mentionné à l'occasion de la 5e édition, je reste engagé à promouvoir l'émergence de champions congolais. Je voudrais réaffirmer que l'heure est venue
de voir concrètement des champions congolais exceller dans une économie congolaise complètement diversifiée, avec des chaînes de valeur abouties dans les secteurs agricoles et industriels. Les efforts importants entrepris par le gouvernement, ainsi que les réformes structurelles en cours, visent à atteindre cet objectif dans le court et moyen terme. Enfin, je voudrais clore mon propos en rassurant le secteur privé que l'État congolais sera toujours à vos côtés pour vous accompagner. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Je vous remercie.